Salut, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le massif de Chartreuse. Il y a Gilles avec moi. Hello, hello. Ce week-end, je fais sa connaissance. On va aller camper du côté de la Dent de Crawl et on vous emmène avec nous. Allez, let's c'est go. Parti. Nous, là, on est à mi-chemin avec le sommet de la Dent de Crawl. En face de nous, le Grand Son, un des plus hauts sommets du parc. Voilà, on continue à marcher tranquillement. On a décidé de passer par le versant ouest de la Dent. Qui dit versant ouest dit passage obligatoire devant le trou du glas. Ah, c'est un bon endroit pour la canicule ici. Ça y est, on arrive au fameux passage en mode de 127 heures. Les rochers, ils accrochent pas, ils sont bien polis. Hein. Ouais, non, c'est, là, ça glisse. C'est encore plus serré qu'en dessous là. Commence à faire faim là. Moi j'ai faim. Moi aussi j'ai faim. Ça y est, on est posé pour l'apéro. On va bientôt passer à table. Alors qu'est-ce que tu nous as servi là, Gilles ? Petite bière du Jura avec un peu de miel à l'intérieur. On va goûter ça. Santé ! Voilà, on vient de finir de casser la croûte. On va grimper à la croix au sommet de la Dent. Que penses-tu de la vue, Gilles ? C'est beau. Pas hein ? Mal du tout. Pas mal du tout, ouais. Et on a aussi l'autre côté avec le Mont Blanc. Ouais, on a le Mont Blanc là-bas du coup, en face. En haut, ça va bien donner. Hein. Hâte d'arriver là-bas, au sommet. Tout au bout. Ouais. Hâte de poser le camp en ce qui me concerne, pour casser la croûte, puis pour m'habiller aussi, pour enfiler mon pull en laine, parce qu'avec la petite bise du soir là... Ça y est, le tipi est installé pour la nuit. Deux couchages plutôt spacieux en largeur, un petit peu moins en longueur. Habituellement, quand je monte le tipi, je le pique au sol avec des sardines. Là, vu qu'au sol c'est que de la pierre, on a quelques espaces de terre, donc on a pu planter quelques sardines, mais on ne peut pas avoir vraiment le volume maximum du tipi. Thank you.
C'est magnifique. La vue est superbe. Voilà, ça continue avec le chemin étroit. Là, je laisse Gilles passer devant. Comme ça, je peux filmer un petit peu pour vous donner un aperçu du chemin. Avec le caillou en mode 127 heures. Et toujours des paysages magnifiques tout autour de nous. Et voilà la dernière ligne de vie qui permet cette fois de rejoindre le sentier plus bas ici. Voilà, 2,5 km le sommet par le trou du glas. 1 km, un petit kilomètre et demi en passant par le pas de l'œil. Voilà, bah nous on a décidé de faire l'ensemble du trajet par le trou du glas. Et c'était pas si mal, non? Top. Ouais, top. Un peu dur la descente quand même, faire gaffe. Ouais, faut être attentif. La roche elle est vraiment limée quoi. Ouais. Si c'est mouillé, c'est mort. Regardez-moi ces paysages. À tout de suite quand il y a une mer de nuages. Bah c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Et puis par moment, bah on a l'immense honneur d'avoir une petite éclaircie, mais c'est rare. Une belle image, un beau cadrage. En bas, Gilles. Au milieu, à droite, le Haber. Et en haut de l'image, le sommet du Grand Son. Un des plus jolis sommets du parc de Chartreuse, à mon avis. Nous voici à l'intérieur du Haber avec des fascicules d'information. Ici, un fascicule qui explique l'activité pastorale. Et bien entendu, le petit carnet, le livre d'or, on pourrait dire. Ah, c'en est un autre. Je pense que l'ancien était plein. J'avais laissé un mot quand j'étais venu en juin pour mon trek, mais il est dans l'ancien cahier. Voilà, c'est l'heure de la pause casse-croûte. Là, on a le copain Gilles. Merci Gilles. De rien, bon appétit. Qui nous a préparé un beau plateau pour l'apéritif. Plateau télé. Plateau télé. La télé. Et puis par là, j'ai le filtre. Voilà, de quoi avoir un petit peu d'eau pour préparer mon repas. Ça va bientôt bouillir. On va se faire une petite infusion. Au cidre de pomme à l'érable, s'il vous plaît.
Et ben voilà, pause casse-croûte terminée. Maintenant, on va prendre le chemin du parking qui est à quelques centaines de mètres plus bas. On aura passé vraiment un bon week-end. Moi, j'ai vraiment apprécié cette balade. Ben, j'adore le parc de Chartreuse, j'adore la Dent de Crawl. C'est un peu objectif. Chez moi, donc ouais, je suis pas objectif. J'ai encore plus apprécié cette balade en compagnie de Gilles. Je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube, Gilles, 1 km à pied. Merci Nico, c'était un plaisir de partager ces kilomètres. Bah, voilà. T'es le bienvenu, tu reviens quand tu veux. Pour une balade en montagne, une balade en forêt, bivouac, feu de bois, bonne bouffe. T'es le bienvenu. Je crois qu'on se fera un petit repas amical, un de ces quatre. Dans la neige. Voilà. La neige, bientôt là. Elle est basse la neige. Ouais. Voilà, donc c'est sur ce magnifique décor avec le Haber de Pravuta qu'on vous salue. Comme d'habitude, portez-vous bien, sortez dans cette magnifique nature et à bientôt. Salut.